Salut à tous, une vidéo pour vous parler des tuiles sponsorisées de Mozilla Firefox, tuiles qui font couler pas mal d'encre électronique comme d'habitude. On voit comment la communauté du libre aime à se tirer des chargeurs de AK-47 dans les pieds. Pour plus d'informations, comme d'habitude, je vous renvoie au descriptif où il y a le lien vers l'article de blog qui est en relation avec cette vidéo. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent les tuiles. Je vais commencer par récupérer une version précompilée de Mozilla Firefox officielle qui se trouve sur le dépôt de Mozilla.org. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'en utilisant du code compilé maison, il y a un problème d'option activée qui permet de déconnecter un truc ou un autre. Ça, c'est la version officielle. Comme ça, il n'y aura pas de contestation là-dessus. Donc je récupère. On va prendre la dernière Mozilla Central en français. Donc vous voyez la date, c'est quand même aujourd'hui. Donc là, françaisiche, elle est où? Français en 64 bits. Donc là, je la récupère. Comme j'ai précisé dans l'article, les tuiles sponsorisées, qui sont une autre source de financement avec la diversification des moteurs de recherche partenaires, permettent à la Fondation Mozilla de récupérer quelques pépettes, parce qu'il ne faut pas oublier que qu'il y a deux entités, la Fondation Mozilla et la Mozilla Corporation. La Fondation Mozilla s'occupe de développer le logiciel, la Mozilla Corporation paye les développeurs de la Fondation Mozilla. Bon, déjà, les deux entités sont séparées, justement pour que le financement puisse se faire. Donc là, il a été téléchargé. Je ferme cette session. Voilà, donc là, je vais décompacter la version nocturne de Mozilla Firefox. Et je vais créer un profil d'essai, enfin un profil de test, comme ça il n'y aura pas d'interférence avec les extensions de mon profil personnel. Tout sera pur jus et purement. C'est un profil pur et dur. Donc on fait moins P pour le Profile Manager. Voilà, donc je crée un profil. Voilà, démarrer nightly. Plus tard. Là, on s'est précisé qu'on teste électrolysis, en clair, la séparation des processus. Voilà. Je vous prouve que c'est bien une version nightly, compilée officiellement par Mozilla Firefox. La page de démarrage, donc là, voyez le nombre de moteurs de recherche par défaut en français. Donc je vais rajouter par exemple DuckDuckGo. Ah oui, c'est vrai que c'est un bug, on ne peut pas rajouter les moteurs de recherche dans l'électrolysis, c'est un bug connu. Donc c'est pas bien grave, on verra plus tard. Le plus important, bon, c'est des choses qui arrivent, je vais vous montrer la page nouvel onglet. Voilà! C'est précisé, on verra après pour le reste de cette page. Voilà les tuiles dites sponsorisées. Ah, c'est bien marqué que c'est parrainé. Est-ce que c'est caché? Déjà. Donc là, on va fermer celle-là. Il y a très peu de tuiles sponsorisées. C'est plus la pub pour Mozilla Firefox qu'autre chose. Pour le moment. Firefox Sync. Là, c'est mon historique. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de navigation. On va aller sur la Framasphère, par exemple. C'est bon, mangez-en. Et non, je ne vous donnerai pas le mot de passe. Vous pouvez toujours rêver. Voilà. Donc voilà,
ça c'est Diaspora, pas de transfert. Voilà, donc là vous avez vu ce que c'est des tuiles sponsorisées. Il y a un réglage aussi qui s'appelle améliorer classique ou vide. Classique, ça va devenir en mode classique je suppose, et vide ça donne ça. Donc voilà, déjà on verra, il faudra me dire où se trouve le problème avec les tuiles sponsorisées déjà. Donc là je vais repasser en mode classique et on va aller sur ce qu'est cette page, en savoir plus. Voilà, donc vous avez, c'est précisé, les vignettes spéciales, c'est basé sur une navigation, ces vignettes d'un nouveau genre, blablabla. Un lot de vignettes pour commencer, je vous ai mis tout dans l'article. Voilà, donc pas de silence sur les vignettes. Je ne sais pas par contre si ça fonctionne en français, non, ce n'est qu'en anglais malheureusement. Donc ils disent que cette information est collectée pour offrir un meilleur, bien sûr, un meilleur expérience utilisateur. Tout est agrégé, il ne permet pas de distinguer les utilisateurs, chaque utilisateur. Toutes les informations sont agrégées et ne permettent pas une manière d'identifier les différents utilisateurs. En gros, c'est anonymisé en quelque sorte. Nous collectionnons les données, récoltons les données pour être sûr certain que les tuiles apportent une valeur ajoutée à nos utilisateurs et nos partenaires publicitaires, et nous collectons uniquement les données nécessaires. Voilà, c'est précisé. On peut le tourner, on peut le désactiver en passant en mode classique pour montrer uniquement l'historique sans amélioration, ou carrément en mode blank, vide, qui n'affiche rien. Et même si on va dans les préférences. Alors, voyons, c'est notre vie privée, je pense. Bon, déjà, on peut indiquer qu'on n'a pas besoin d'être pisté. On peut ne jamais conserver l'historique. Voilà, donc ça va redémarrer normalement. Donc là, je vais faire un truc, je vais vider l'historique. Donc on va faire... attends, je me rappelle tout si ça se trouve maintenant, ça... historique, historique, historique... historique, voilà. Ça fait, je sais pas, l'historique. On va le supprimer. Donc normalement, c'est le contrôle maj supr qui devrait normalement arriver. Bon. On va aller en préférence. Dans vie privée, on va dire qu'on veut voilà, effacer toute identité de l'historique actuelle. Voilà. Voilà, tout est effacé, tout est vidé. Donc on va pas laisser des paramètres personnalisés, toujours conserver, toujours tenir le monde d'agrégation privée. Non. Donc là, plus tard. Ah, c'est le premier cas de crise, c'est un peu lent par moment. Hein. Donc on va retourner à les préférences. Donc là, je repasse en mode amélioré. Préférences. Alors, mes process, les privés, utiliser les paramètres, voilà. Donc là, on peut demander à ce que l'historique soit vidé à la fermeture de Nightly. Voilà, préférence de site, données web en connexion. Donc là, on va relancer Mozilla Firefox avec l'utilisateur créé pour le test. Donc on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, donc là je suis quand même en mode en tuile amélioré, il n'y a rien. Vous allez voir comme moi qu'on peut très bien configurer dans les préférences, en avancer,
données collectées, voilà, activer la télémétrie qu'on peut désactiver si on en a envie, besoin. Là, plus rien n'est récolté. Réseau, mise à jour, certificat. Sécurité, lien, vie privée. Voilà. Ça, c'est précisé. Donc, vous m'excuserez, mais il faudra m'expliquer où se trouve. Pourquoi il va falloir encore forquer ou autre le Mozilla Firefox? Parce que là, voilà, maintenant, je suis pourtant en mode amélioré. Il n'y a aucune publicité. Donc, vous avez vu ce que c'était sponsorisé. Ça va à l'époque de Mozilla Firefox 35 ou 36. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de quoi tuer un chat. Si je peux me permettre de parler ainsi. Donc là, je m'excuse. C'est. Bah, ce sont des tweets sponsorisés. Voilà, bon, mais je vous laisse. À plus.